Eh bien les gars, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Il est enfin temps pour moi aujourd'hui les amis de vous faire couler vos larmes de sang, de sel, de seum et de tristesse avec une tier list non objective bien évidemment des personnages de Naruto et de Boruto. Une tier list comme je viens de le dire qui ne sera pas objective vu que simplement je vais les classer selon mon propre avis, selon mon propre opinion sur leur chara design, leur écriture, leur développement, sur tout ce que j'ai pensé d'eux dans le manga ou dans l'animé et aussi tout ce qu'ils m'ont fait ressentir quand j'ai découvert cette œuvre de Naruto. Donc je compte sur vous forcément par rapport à tous les concepts de tier list, de top, de classement, etc. d'être hyper respectueux avec moi dans les commentaires mais aussi entre vous avec ceux notamment qui vont essayer de faire leur propre tier list dans les commentaires. Alors le but du jeu c'est forcément aussi de confronter nos avis, c'est pas forcément d'avoir les mêmes parce qu'on n'a pas ressenti les mêmes choses par rapport à tel personnage et telle situation. Du coup n'hésitez pas à refaire la même tier list que moi, vous aurez le lien dans la description pour pourquoi pas la refaire aussi et m'envoyer vos tier list en screen, en message privé sur Instagram et sur Twitter pour qu'on puisse en discuter tranquillement et débattre ensemble. Mais avant de commencer à vous faire pleurer parce que j'aime bien ça, il est temps de passer au sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par l'entreprise et la boutique en ligne Tellement et Jaden qui propose non seulement sur leur site en ligne des lunettes de soleil, des lunettes pour gamers, des lunettes lumière bleue pour les écrans, mais aussi une gamme de bijoux et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté pour vous parler de leur dernière sortie, le petit pendentif kunai qui je pense va satisfaire tous les fans de Naruto. Vous retrouverez sur leur site des bijoux certifiés de haute qualité avec un acier inoxydable, ça veut dire que ça ne va pas rouiller, se décolorer, perdre sa qualité et sa couleur argentée, que tu les portes tous les jours, que tu fasses du sport avec, que tu te laves, que tu ailles nager avec, ils sont certifiés de très haute qualité. Au passage, pour ceux qui ont la peau sensible, tu n'as aucun problème à faire là-dessus parce qu'ils vont pas provoquer d'allergie sur ta peau même si elle est très sensible car les bijoux sont de très haute qualité et faits exprès pour ceux aussi qui ont une peau sensible. Tout comme ce kunai que je te montre à l'écran, tu pourras notamment avoir plusieurs modèles avec des styles assez minimalistes sur leur site pour pouvoir compléter ton style que tu sois un mec ou une meuf afin d'allier bien sûr tes passions et ton style avec simplicité. La boutique te garantit tes bijoux à vie avec un service client qui est en tout cas très réactif et avec un service de livraison qui te livre en 2 à 3 jours maximum sans d'avoir un service qui soit qualitatif, rapide et précis. Tu trouveras bien évidemment le lien du site dans la description avec un code promo Alexan qui te donnera accès à 10€ de réduction sur le modèle du kunai comme celui-ci ou bien les autres modèles qui pourront pourquoi pas améliorer ton style avec passion. On va commencer directement putain par deux personnages légendaires qui vraiment ils font partie de tout manga confondu, deux personnages qui encore aujourd'hui simplement me font limite tomber la larme à l'œil dès le début, dès que je les vois parce que c'est vraiment des épisodes qui étaient épiques, qui commençaient vraiment extrêmement bien à manga, c'était vraiment pour moi un des meilleurs débuts de tout animé confondu Naruto et l'arc de Zabuza et Haku forcément, il en a fait pleurer plus d'un je pense. Du coup pour moi les deux, c'est deux personnages totalement insane, c'est pas non plus des légendes absolues, mais pour moi ce sont deux personnages insane qu'on classe hors catégorie ici. Neji Yuga, un de mes personnages préférés, d'ailleurs j'ai fait une magnifique vidéo sur lui, je vous invite vraiment à aller la regarder pour comprendre un peu son développement et tout ça, mais du coup ces personnages là je le mets forcément dans insane pour tout ce qu'il représente, autant pour moi individuellement que pour l'œuvre de Naruto en général. Là ici ça fait extrêmement rire parce que du coup on va enchaîner avec quatre personnages que si tu les prends comme ça, que tu les présentes à n'importe qui ne connaît pas Naruto et Boruto, il va te dire c'est le quatuor de la honte, c'est le quatuor de la gênance. Mais en réalité quand tu les connais, surtout bon Gai Sensei que je mets forcément dans légende avec Rock Lee parce que c'est des personnages forcément que j'adore plus que tout au monde, mais après bon le père de Gai ou le père de Rock Lee, je sais plus lequel c'est, je crois c'est le père de Gai, lui tu le mets un peu dans ok tier parce que tu connais pas tant que ça, même s'il a la même fougue de la jeunesse et tout ça. Et après Metal Lee je le trouve pas exceptionnel, du coup je le mets aussi dans ok tier. Tenten, alors là les amis par contre je suis désolé, je vais être hyper bâtard dès le début parce que autant certains des fois disent que Sakura elle sert un peu à rien dans les trois quarts de Naruto, moi Sakura je la défends ouvertement parce qu'elle est quand même assez utile, mais Tenten je suis désolé elle est inutile. Et vous savez quoi, je vais même renommer la catégorie Osef en catégorie Tenten et je vais la foutre dedans, j'ai aucune race, j'en ai rien à foutre. Hinata forcément dans les légendes et les gods parce que pour moi c'est une de mes waifus tout manga confondu. Ayez tous une Hinata dans votre vie les amis, je vous le dis, vous irez très loin. Ino, ce qui est marrant c'est que tu vois autant c'est une de mes waifus dans Naruto, mais autant sa réplique préférée c'est où est Sasuke, où est Sasuke, où est machin, où est Marcy. La meuf elle se prend trop pour une bonasse tu vois, mais à la fin elle a quand même fini avec le Sasuke de Wish quoi. Ça est pareil, c'est pas le personnage qui m'a le plus émoustillé du coup pendant l'œuvre, c'est pas le personnage qui m'a attiré beaucoup de sympathie, du coup je le fous quand même dans ok tier. Choji pour moi c'est clairement le sang parmi tous les personnages etc, c'est vraiment le sang de la veine de ce personnage. Je vais pas le mettre non plus dans insane parce qu'il m'a pas non plus émoustillé autant que les autres, mais je peux dire que si ce personnage là il enfilait autant de belles victoires dans le manga, autant de bons moments d'apparition qu'il enfile de paquets de chips, mais il serait le Hokage le plus légendaire de tous les temps. Sa fille dans la catégorie Tenten, Kiba c'est le genre de personnage qui est aussi intéressant mais malheureusement il a pas été mis trop en avant, mais bon on va quand même le mettre dans bon personnage parce qu'il a un bon capital sympathie avec Akamaru. Shikamaru pour moi c'est le personnage le plus sous-côté de l'histoire, d'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo histoire complète et expliquer de Shikamaru pour vous expliquer en quoi vraiment ce personnage là est incroyable, mais pour moi il est vraiment trop sous-côté. Go to the top. Azuma, j'hésite vraiment entre le mettre entre Insane et God parce que c'était vraiment un de mes arcs préférés dans Shippuden.
Ah, je vais quand même le mettre dans Insane parce que pour moi, il a encore un palier à passer avant d'être le GOAT. Chino Aburame, pour moi, s'il avait passé plus de temps à s'entraîner et à se montrer intéressant plutôt que de collectionner les coccinelles, bah un petit peu à l'instar de Shoji qui a fait les paquets de chips, il aurait pu être très très bon, tu vois. Pour moi, ce personnage-là, il est plat, c'est comme un peu Torune, tu vois. Torune, on l'a rapidement vu, mais il a pas servi à grand-chose, du coup, je le fous là. C'est un petit peu comme les moustiques, ils sont présents. Mais inutile. Les quartettes du son, donc non seulement bon, ils ont fait une belle apparition et ils aiment quand même plutôt bien faire du bruit, mais là pour le coup, ils sont morts, du coup le son, ils vont pas en faire beaucoup. Du coup dans Oketier, Kimimaro, c'est un très bon personnage qu'on a quand même pas assez vu. Il a fait simplement un ou deux combats, du coup en comptant le combat contre Naruto, Gaara et Lee en même temps. Du coup je le fous quand même dans bon personnage. Alors après le quartet du son, on a ici la trilogie du Ré mineur, du coup je vais les foutre dans vraiment inutile. Gaara, pour moi c'est un personnage qui a énormément évolué, qui a une belle mentalité, etc. Qui a vraiment une belle évolution. Je pense faire d'ailleurs une vidéo sur lui. Et d'ailleurs ça m'a grave surpris de savoir qu'il avait un fils d'un Boruto, comme quoi n'importe qui peut pécho. Temari, c'est un personnage que je trouve un petit peu insupportable, tu vois, c'est un peu le personnage à l'image de cette qui fait plus que brasser du vent qu'autre chose. Elle, dans son palmarès, elle a servi d'un côté à sauver Shikamaru et de l'autre côté à l'aider à passer Chunin quand même. En Mertio, même si elle laisse plus de poussière qu'autre chose, elle a quand même sauvé Gaara. Du coup, on va quand même la mettre dans un bon personnage parce que je pense qu'elle en a quand même ému plus d'un. Sasori aussi, très très bon personnage. Deidara aussi, j'ai très bien apprécié. C'est en tout cas un très bon binôme. C'était pas mon arc préféré, le début de Shippuden, mais c'est quand même des personnages qui ont laissé leur trace quand même dans l'histoire de Naruto. Baki, je le mets dans Tenten. Kizame, direct dans Insane, c'est un personnage qui m'a beaucoup surpris en tout cas quand on a appris à connaître un petit peu son background ou du moins ses capacités auto. Total, extrêmement puissant et franchement très belle surprise. Zetsu, alors autant le blanc que le noir si tu prends les deux combinés pour faire le personnage, c'est un des personnages qui cachait quand même le mieux son jeu sans mauvais jeu de mots vu qu'il y passe son temps caché un petit peu dans l'ombre, mais vraiment c'est un petit peu le plus gros traître de l'histoire, tout manga confondu à mon sens, du moins dans Naruto et dans les plus gros shonen qu'on a connu. Kaguya, c'est un personnage qui est à mon sens un peu vide, on n'en a pas vu non plus extrêmement beaucoup, c'est un petit peu pour moi le personnage rajouté sur la fin pour ajouter un énième boss cheaté. Itachi, t'es obligé de le mettre dans les gens, je pense que j'ai pas trop besoin de débattre là-dessus. Ugaku, pour moi c'est un excellent personnage, j'aurais d'ailleurs beaucoup aimé en apprendre plus sur lui via les romans, via aussi pourquoi pas l'histoire de Naruto encore plus, et le voir pourquoi pas ressusciter via Edo Tensei pour une confrontation intéressante avec Itachi et Sasuke qui aurait pu être en tout cas assez intense en émotion. Shisui, c'est le personnage dont on a seulement entendu parler par les dires des autres personnages, du coup c'est quand même assez difficile de le placer, mais par rapport à son chara-design, ses capacités et ce qu'on a pu voir rapidement de lui, je le mettrai aller dans bon personnage quand même. Pour rater le premier personnage à subir le multiclonage, bam, ok tiers, Iruka Sensei pour moi dans ma tête, à part pour le développement de Naruto et parce qu'il peut lui apporter son rôle de grand frère et tout ça, dans l'ensemble de l'œuvre vraiment à ce moment là il est vraiment inutile. Naruto forcément c'est le GOAT, alors il n'était pas apparu tout de suite dans la tier list. Konohamaru, sa version Wish, je la mets dans vraiment inutile, même si dans Boruto il tend un petit peu à s'améliorer. Menma Uzumaki, ça dépend vraiment plus des HS de Naruto, mais on va quand même le mettre dans ok tiers parce qu'il apporte une vision alternative du coup à Naruto. Boruto, il devient de plus en plus intéressant dans son propre manga et du coup dans son propre animé, même si à mon avis je pense que quand il y aura une ellipse pour voir le combat contre Kawaki à l'avenir, etc., ce qui est déjà teasé au début, il pourra être plus intéressant dans sa mentalité. C'est un personnage au début que j'aimais pas trop par rapport à ce qu'il représentait, un enfant gâté, etc., qui n'est pas du tout la même enfance que Naruto, donc pas forcément la même mentalité et la même éducation. Mais pour le coup, Boruto il tend à devenir un excellent personnage, donc je le mettrai plutôt dans un bon personnage. Imawari, c'est plutôt ok tiers parce que pour moi elle a du potentiel, elle a des bonnes capacités, c'est quand même le mélange des Uzumaki et des Hyuga, mais elle a pas montré grand chose pour le moment par rapport à son âge et par rapport à ses compétences. Kawaki, pareil comme Boruto, je le mets dans bon personnage parce qu'il est quand même aussi amené à bien évoluer par rapport aussi à ce que peut lui apporter Naruto, ce que peut lui apporter Boruto aussi dans sa mentalité, son développement. Donc bon personnage pour le moment, et à la fin de l'œuvre de Boruto, on verra si on les classera dans Insane ou dans Go. Sarada, pareil, pour moi c'est un personnage qui mériterait peut-être d'être encore plus mis en avant, qui pour l'instant est un bon personnage intéressant. L'enfant de Sasuke, quand même, c'est après tout sa relève, donc forcément, elle a de très bonnes capacités. A voir si à l'avenir, elle éveille le Susanoo, le Mangekyou, etc., pour devenir pourquoi pas totalement Insane avec des capacités propres à elle. Mitsuki, pareil, je le mets dans bon personnage parce qu'on n'a pas encore vu son personnage là à plein potentiel. Il a en tout cas un développement, un background plutôt intéressant par rapport à Orochimaru, le clonage, par rapport aussi à son ADN qui est encore assez mystérieuse. On sait pas d'ailleurs par rapport à Toneri qui est classé juste après s'il possède des bouts de son ADN, puisqu'il se ressemble quand même assez trait pour trait. Sakura, il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus, mais pour moi je pense que c'est vraiment un personnage qui a mis du temps à se mettre en valeur parce que Kishimoto a du mal à développer les personnages féminins, mais par rapport à ce qu'elle a su montrer surtout vers la fin de Naruto dans Shippuden, il y a quand même des moments intéressants et plutôt intenses avec elle, donc je la mets quand même dans bon personnage. Sasuke, forcément le GOAT, j'ai pas besoin de trop de m'expliquer là-dessus, c'est comme Naruto. Kakashi, exactement pareil, c'est un de mes personnages préférés avec notamment Shikamaru et Itachi et Sasuke. Obito, j'hésite entre Insane et GOAT, mais je vais plutôt le mettre dans Insane. C'est quand même avant tout un personnage qui m'a beaucoup ému par rapport à son évolution, ses discours, ses valeurs, qui a subi pas mal de traumatismes aussi, qui a pour moi subi le plus de malchance au monde. Parce que Rin, c'est un petit peu à cause d'elle que tout est parti en couille, notamment même par rapport à ses choix, par rapport aussi à son développement. C'est un personnage qui a un très bon rôle, ou du moins un rôle clé dans l'histoire. Du coup, je le mets plus dans bon perso par rapport au rôle qu'elle a eu par la suite que
par rapport à elle-même. Le père de Kakashi aussi, je le mets dans bon personnage. Danzo, c'est aussi un très bon personnage qui a essayé, je pense, un petit peu de sortir de l'ombre un petit peu de Sarutobi, de créer sa propre histoire et tout ça, de s'approprier les pouvoirs à Konoha, qu'il assumait ses valeurs et qu'il assumait ses choix. C'est le type de personnage en tout cas assez sombre que j'aime bien, du coup je le mets dans bon personnage. Pakun, c'est qu'un chien, donc je le mets dans OK tiers. Killer Bee, je le mets dans bon personnage parce que bon, même si à des moments il est un petit peu malaisant avec un rap qui est pas forcément bien maîtrisé ou hyper recherché, c'est qu'un personnage qui a des bonnes capacités, qui a su en tout cas aider Naruto à passer un cap aussi. Et pour moi, c'est un personnage qui est bon, mais à qui il manque des paliers pour être insane ou totalement une légende. Darui, pareil, pour l'instant, pour moi, je trouve que c'est un personnage qui a pas non plus été extrêmement développé, mais qui a quand même de belles capacités, du coup, bon personnage. Après, tout cela, ils vont dans OK tiers parce que c'est pas non plus les personnages qui m'ont le plus émoustillé. Le Raikage, pour moi, je le fous dans insane pour ses capacités qui sont pour moi hors du commun, qui m'a vraiment impressionné, digne d'un véritable Kage. Alors tu vois, Onoki, Mizukage, etc., c'est pas les personnages qui m'ont le plus intéressé. Ah, on va le foutre ici. Les autres Kage en tout cas qui ont été ressuscités, pareil, c'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné. Après, toi, désolé, mais je suis obligé de te foutre dans Tenten, t'as tellement servi à rien. Lui, le pauvre, il était déjà limite en train de crever de maladie quelconque. Alors, le pauvre, il s'est fait assassiner pendant l'examen de Chunin, mais à mon avis, je pense qu'il n'aurait pas duré bien longtemps non plus. La fameuse ancêtre divinatoire et surtout la plus grande sage du monde des grenouilles, du monde Myoboku. Alors, pour elle, tout le monde sont des élus, bien évidemment. D'ailleurs, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont de vrais Nakama et des élus aussi. Du coup, si tu ne l'as pas encore fait ni coché la cloche, tu peux toujours rejoindre l'élite, il n'y a pas de temps à perdre. Eux, pour avoir laissé crever Azuma, et pour avoir quasiment servi de pantin, je vais les foutre dans inutile parce que j'ai tellement la haine contre eux. Lui, à part compter les points dans l'examen de Chunin, c'est exactement la même chose. Orochimaru, pareil, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est insane, qui m'intéresse pourquoi pas d'être dans les GOAT parce que, après, bon, je partage pas les mêmes valeurs que lui, mais du coup, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié aussi. Kabuto, je vais le mettre vraiment dans bon personnage parce que pour moi, c'est un personnage qui a vraiment profiter d'un peu de bullshit entre guillemets, parce que juste en se mettant de l'ADN d'Orochimaru, le mec a acquis une puissance incommensurable, tu vois. Mais sinon, c'est un personnage qui a quand même voulu déclencher quand même une guerre, je pense, a trop bien fini aussi. Pour moi, il méritait de crever ou simplement de finir en prison éternellement au lieu d'être pardonné par le Hokage, enfin par Naruto du coup. Donc je trouve ça un petit peu abusé de sa part. La team Taka, j'ai tout s'y foutre dans OK tiers. Leo Tsutsuki, bon, OK tiers. Kakuzu, bien évidemment, excellent personnage avec Hidan. Il Madara Uchiwa, bien évidemment, dans GOAT. Hashirama dans GOAT aussi. Tobirama, pour tous les jutsu interdits qu'il a pu créer dans ce monde, c'est dans GOAT. Sarutobi, je vais le foutre plutôt dans Insane parce que c'est pas un personnage qui m'a énormément marqué à part par sa mentalité. Ses adjoints, entre guillemets, je vais les foutre dans Tenten parce que voilà, on s'en fout un petit peu d'eux. Tsunade, bon personnage quand même. Mito Uzumaki, du coup, la femme de Hashirama, on l'a pas assez vue, donc je vais la mettre dans OK tiers. On l'a même très peu entendu parler d'elle. Minato, le GOAT, bien évidemment. Kushina, la GOAT, parce qu'il faut avoir des parents comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant quand je vois vraiment les scènes où Naruto parle avec Kushina, où il parle avec Minato, il transmet des messages à l'un d'eux à chaque fois. Je trouve ça absolument émouvant et magnifique, quoi. Nagato, pareil, le GOAT absolu. Conan, bon, pour ce qu'elle a traversé, on va la mettre dans bon personnage aussi. Kurama, je suis désolé, mais c'est le GOAT. Et par contre, après, tous les autres démons à queue, je vais les foutre dans OK tiers. Donc voilà les gars, globalement c'est ça un petit peu ma tier list. J'essaie d'être un petit peu rapide, de pas passer trop de temps non plus sur la plupart des personnages quand même. J'essaie un petit peu de faire des choix logiques par rapport à ce que je pensais vraiment en toute objectivité. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez par rapport aux différentes catégories. Du coup, je vous laisserai me donner tous vos avis et vos propres tier list dans les commentaires. Je vous laisserai bien évidemment les amis aussi vous abonner, cocher la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus de Nakama. On approche des 110 000 abonnés, c'est assez insane. Vous avez tous mes réseaux qui s'affichent ici, que ce soit Instagram, Twitter et Twitch. Rejoignez-moi avec tous les liens en description. Vous avez aussi bien évidemment en description le site de Tenmo et Jaden pour commander aussi le collier kunai comme celui que je vous ai montré durant la sponsor, et pourquoi pas commander d'autres bijoux, des lunettes, etc. En tout cas, faites-vous plaisir, vous avez le lien et le code de réduction en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.